Alors, coucou les délicieux co-créateurs, voici une petite vidéo de présentation et de nouvelles de Xavier. Alors j'ai lancé la saison 17, je vais reprendre ça qui est Paix, douceur de vie. Donc j'ai lancé ça le 6 février, il y a 20 jours. Alors, une saison qui a du goût, de la beauté, de l'espace. Une saison avec ses instants de rencontre et partage riches avec ses êtres qui me sont liés. Une saison de détente et de vitalité. En fréquentation d'êtres, en accueil de nouveautés. Une saison sourire, une saison famille, une saison présence, une saison qui régénère. Maestro en avant. Alors, je voulais partager avec vous ce qui ressort ces temps-ci. Au niveau des relations, c'est de se relier à les amis du bien, ce que j'ai fait l'autre jour. Et ce qui vient pour trouver un peu plus de paix et de bien-être, c'est de sortir de cette espèce de yo-yo que j'ai en ce moment. C'est, je reviens vers l'ancien Xavier, le Xavier qui est le vrai Xavier. Ça, j'arrive vraiment à ressentir maintenant et à me connaître qui je suis en profondeur. Donc, ça va être de maintenir un peu, de supprimer l'effet yo-yo. Voilà, ça c'est, j'arrive à ressentir. Et puis quelqu'un m'a fait comprendre ça aussi. C'est de revenir vraiment à ça. Après, et ça apporte beaucoup de paix, c'est revenir ici et d'ici pour aller partout. Voilà. Après, voilà. Après, je voulais partager avec vous la technique que j'avais déjà partagée de la série de questions qui permet d'orienter son focus sur du positif. Donc, qu'est-ce qui me rend le plus heureux en ce moment? C'est une des premières questions à se poser, par exemple, tous les matins. Voilà, avec une autre question qui est qu'est-ce qui m'inspire le plus en ce moment? Et qu'est-ce qui me rend le plus reconnaissant en ce moment? Bon, j'ai un peu de mal avec cette dernière question, mais en gros, c'est la gratitude. Voilà, ça aide bien. Donc, voilà. Après. Donc moi en ce moment ce qui me rend heureux c'est de me détendre, de respirer, de lâcher, de prendre le temps. Je prends le temps. Voilà. Ça, de réaliser aussi, de réaliser des petits trucs, des trucs moyens, personnels. Ça me prend. D'essayer avec le pouvoir que j'ai. Sans forcer, avec plaisir, puis assez naturellement, d'aider autrui. Ça me procure du plaisir, ça me. Voilà, parce que j'ai des capacités, donc quand je peux, quand ça se présente, et je m'aperçois aussi que bah, c'est sans. Ça demande pas un gros effort, des fois, d'aider quelqu'un d'une manière simple, c'est possible. Et c'est plaisant et confortable. Et ça fait du bien. Voilà, après ça travaille sur la voix aussi. Et là je reprends l'ami du bien, je vais revoir. J'avais commencé aussi à rattaquer les Aïe mes aïeux. J'ai commencé le livre. Je me suis inscrit à la bibliothèque, dont j'ai une grande source. Je prends plaisir à chercher des trucs, à voir des trucs. Là je recherche l'âge, le ciel et la glace, son film. Des trucs sympas, quoi, j'ai plein de trucs sympas. Une saison sourire, une saison sourire. Bien sûr, je souris. Bon, j'ai pas très beaux yeux. Mais voilà, saison famille, où sur ça se trouve que ça fait famille. Une saison qui régénère. Je fais beaucoup de sport. Ça me fait du bien. Ouais, qu'est-ce qui me rend heureux, le sport aussi? Courir. Une saison présence. J'essaye d'être vachement attentif, de revenir assez souvent ici. Voilà, il faut que je travaille sur cette notion d'ego qui fait genre Xavier,
il se maintient petit. Puis des fois, il va claquer quelque chose, style grand. Donc j'ai un peu, c'est ça un peu qui fait yo-yo. Et ça, je vais cartonner ce truc, hein. Ça permettra d'être plus paisible en paix, au lieu de jouer le grand ou d'être le petit. Trouver l'équilibre, ça se jouera aussi au niveau de mes épaules. Tu vois, je suis un peu tordu. Il y a un combat entre le petit et le grand. Le grand. Voilà, équilibrer tout ça. C'est une intention de ma saison. Donc, constellation familiale, je vais refaire. Et une relation du bien aussi. Avec Jean-Pierre. Allez, mes délicieux co-créateurs, n'oubliez pas, qu'est-ce qui vous en rend le plus heureux, qu'est-ce qui vous inspire le plus, et qu'est-ce qui vous donne de la reconnaissance? Bien à vous, chère belle communauté.